style dingote et style dingote. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose qui n'est pas très compliqué. En fait, moi, j'adore tout ce qui est bougies, senteurs. J'adore les petits bâtons d'encens ou alors les grands bâtons d'encens qui sont parfumés soit au patchouli ou des choses comme ça. Et donc je me disais, bah en fait on peut en offrir, mais pour les offrir, il faudrait quelque chose, pas spécialement une boîte, mais quelque chose, voilà, pour pouvoir mettre les petits bâtons et les offrir. Alors j'ai fait ceci. J'avais pas de bâton d'encens sur moi, j'ai que des petits cônes. Donc du coup j'ai pris des petits bâtons, vous savez qu'on met dans les petites huiles en fait de senteur. Et ça, je les ai coupés à la hauteur des bâtons d'encens pour pouvoir mettre dedans. Alors en fait, vous avez les petits bâtons ici qui tiennent parce que ici en bas, en fait, on a fait des petits trous pour mettre les bâtons. Et là, on a mis un petit, on ne le voit pas très bien, mais on a mis des petites mousses 3D de façon à venir mettre les bâtons. Et puis après, pour pouvoir qu'ils tiennent en haut, on a mis un petit point. Vous savez, les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petits rouleaux avec les petites billes de colle, de façon à ce que en haut, en fait, le petit bâton d'encens, il tienne correctement. Voilà. Donc, on le met ici dans le petit trou qu'on a fait. On le passe derrière où il y a la mousse 3D et on vient le coller sur notre petite bille de colle. Voilà. Donc, moi, j'en ai fait plein. Voilà, pour offrir, j'en ai fait plusieurs. Là, avec un petit parapluie. Là, j'ai fait avec des petites tasses de thé et puis avec une petite théière. Et tout ça, ces petits, comment que s'appelle, ces petits dies, en fait, je vais vous les présenter. Voilà. Donc, on va faire le tuto ensemble. Vous allez voir, il est très simple. Il n'est pas compliqué du tout. Tout le monde peut le faire. Et puis après, on le décore avec ce que l'on veut. Voilà. Donc, je mets la caméra et on fait nos petites, c'est pas des boîtes, notre petite créa, en fait, pour les bâtons d'encens pour offrir. Voilà. Alors, donc, pour faire ces petites supports d'encens. Voilà. Là, j'en ai fait un. Hop, on le remet. Donc du coup, là c'est des bâtons, donc du coup l'encens, les fils au bout, ça sera des fils de fer qui sont beaucoup plus fins que ça. Donc vous pouvez en mettre deux ou vous pouvez en mettre trois, c'est comme vous voulez. Donc moi j'en ai fait plusieurs. J'ai Bibicraft qui m'avait contacté pour pouvoir faire une commande en partenariat. Donc j'ai commandé des dies avec des parapluies, avec des tasses, avec des théières, etc. Donc je vais vous montrer et j'ai fait mes décos avec ces dies. Donc là j'ai le petit dies avec la tasse et les papillons qui se trouvent ici sur celui-ci. Ensuite après j'ai un dies avec une théière et deux tasses, mais là je ne l'ai pas encore testé. J'ai le dies avec la théière qui est ici, qui est très très joli. Voilà, je vais allumer la petite lumière blanche. Et après, j'ai le dies avec la soucoupe et la petite cuillère que je suis venue mettre en haut de celui-ci. Ensuite, après, j'avais des dies parapluie. Donc celui-ci. Vous avez la matrice et après vous avez les petits supports qui vont dessus, les petites dentelles. Donc je m'en suis servi pour faire celui-ci et pour faire le haut de celui-ci. Je les adore, ils sont très jolis. Les autres, je ne les ai pas encore testés. Je vous mettrai le prix en barre d'infos. Voilà. Et puis après, j'avais des dies avec la matrice, donc du coup les tampons papillons avec la petite matrice qui va autour, et je m'en suis servi de celui-ci pour faire le petit papillon qui est ici en haut. Voilà. Et avec, j'avais commandé aussi dedans
Un rouleau avec des petites pâquerettes avec le milieu orange, bien évidemment, couleur orange. Et je m'en servirai pour faire un autre tuto que je vous montrerai la prochaine fois. Donc pour faire ce petit support à bâton dansant comme celui-ci, pour offrir, on va le faire ensemble. Alors, en premier, il va vous falloir un morceau de cardstock qui fait... Alors, je fais ça tout le bazar. Alors, 5 cm. C'est ça, hein? 5 cm. Alors, je le prends couleur marron. 5 cm par 29,7. Alors j'espère que je les ai. Ça vous permet aussi de passer vos chutes. 29,7. Et bien c'est tout bon. Ensuite après, sur les 29,7, vous allez faire un pli à 4 cm. Je fasse pas de bêtises. Un pli à 6,5, un pli à 7,5 et un pli à 8,5. Voilà. Ensuite, après, pour la déco, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui fait 4 cm par 20,5. Et un petit morceau de papier de 4,8 par 3,8. Voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin. Alors, on va marquer les plis. Voilà. Là, vous avez les 3 premiers petits plis. Et bien, vous allez faire une montagne avec les 2 petits plis. Et vous allez venir mettre de la colle dans la petite montagne. Voilà, et on va le laisser tranquillement coller. Et en attendant, on va s'occuper de mettre la déco sur le devant. Donc moi, le petit morceau de papier design, eh bien, je suis venue mettre l'ancrer tout autour. Alors, ce papier-là, il est tout fin. Voilà. Alors, si vous avez un sens, vous faites bien attention. Il y a des plumes. Les plumes, elles sont dans ce sens-là. Donc, on le centre bien, on le place. Il veut pas. Il est hyper fin. Voilà. Hop. Ensuite, après, vous avez votre petite montagne qui est collée. Donc là, sur la petite montagne, on va venir faire 2 petits trous ou 3, c'est comme vous voulez. Moi, j'en fais 2. Voilà, donc j'ai fait mes 2 petits trous sur la petite montagne. Ensuite, vous allez prendre ce papier, hop, et vous allez le remonter. En fait, ça vous fait ça. Vous voyez? Hop, on va le remonter comme ça. Ici, on va venir coller notre petit morceau de papier design qui reste. Voilà. Donc moi j'ai arrondi les bords, après vous faites comme vous voulez. Voilà.
Hop. Et maintenant, de chaque côté, on va venir mettre des petits 3D. Alors, moi, je récupère tout. Là, c'était des 3D en petits ronds. Eh bien, je vais couper le milieu. Et je vais en mettre un de chaque côté. Hop. Ces petits morceaux, ces petites plaques, on ne les met pas à la poubelle parce que ça peut resservir. La preuve, je mets sur le côté. Ça va me faire quand même un 3D. Je prends l'autre morceau. Je vais faire la même chose, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Et je vais en reprendre un autre pour faire pareil. Donc, je prends uniquement le milieu. Je regarde, je dois en couper un morceau. Si vous décidez d'en mettre trois, et ben vous faites qu'un morceau de chaque côté. Je vais passer ma soirée. Voilà. Et je colle. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir venir passer mon petit bâton. Alors, je le passe dans le trou et je vais le placer en fait ici. Vous voyez, je passe dans le trou et en fait, ça va passer où on a fait le trou des petits 3D. Vous voyez? Et on n'aura plus qu'à mettre une petite gomme colle en fait. Pour les tenir. Alors, je retire tout et on va passer à la déco. Alors, pour le bas, je vais prendre des petites. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là et dessus. En fait, ça servait à rien que je le mette. Hop, je vais juste faire ça. Voilà. L'autre, je m'en suis pas servi. Je vais le recoller. Et en bas, je vais mettre juste un petit sticker. Si ce soir tout a décidé de m'embêter, hop, qui est transparent. Et ici, je vais marquer Kiss. Voilà. Donc celui-ci, il a une autre. Je ne vois pas si je peux coller autre chose. Alors, la plume, elle se verra pas. La fleur, elle se verra pas. Je peux peut-être mettre un petit oiseau. Voilà. Ici, coller comme ça. Et voilà. Donc voilà.
Votre petit porte en sang est terminé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre une petite bille collante. Alors, moi, je prends une petite bille collante comme ça. Je la roule. Je passe mon bâton d'encens dans le trou. Je le place correctement. Voilà. Hop, je prends ma petite bille. Je sais qu'elle va là. Et je mets mon petit bâton d'encens dessus. Voilà. C'est tout simple et vous pouvez en mettre un autre à côté. Voilà. Donc moi j'en ai fait plein parce que je vais les offrir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt les Sildingos, les Sildingotes. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.